Elma, Fifi, qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends de là. On n'a pas le droit où il y a les décos. Allez, descends. Descends, Fifi. Non, 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 non. Non. Qu'elle m'en peut pas. Je te vois, hein. Re-coucou tout le monde, il est l'heure de faire dodo. Regardez, on a un tatouage. Il est où? Ah oui, non. Donc on peut pas voir le tatouage. T'inquiète pas, je vais en mettre. Regardez, elle va faire un tatouage. 1, 2, 3, les filles. On ne vend vraiment pas les élastiques. J'allais dire, j'aurais dû vous la filmer aujourd'hui. Elle s'est habillée toute seule, elle était trop belle. Hier, elle était toute en bleu. Et maintenant, tout en rouge aujourd'hui. Aujourd'hui, elle était toute en rose. Les baskets roses, le pantalon rose, le maillot rose, Et le et sac rose. la veste rose et le sac rose. Elle était trop belle, ma poupée. Là, je crois que je voulais filmer un petit peu, c'est quand on a été au foot, mais je sais pas trop en fait, il faut que je regarde. J'ai pas encore fait le montage, donc voilà. Bon, on va se coucher. Oh. On va se coucher parce qu'il est quand même tard et j'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai pas arrêté du tout aujourd'hui. Je me suis levée à. Je me suis levée à quelle heure? 8 h, je crois. Non, toi, 9 h, chérie. Ouais, moi je me suis levée tôt, mais Mais là, 9 h, elle était réveillée. oui, ça va, c'était le matin. Oh, bah oui. j'étais Donc, moi, je fatiguée, me suis mais levée à 8 h. ça va, j'étais en forme, hein, et Huit j'aime heures, bien. 8 h 20. Donc, comme d'habitude, j'ai donné à manger aux filles. J'ai déjeuné, tout ça. Et après, j'avais rendez-vous chez le médecin à 9 h 15. Je suis revenue, il devait être 9 h 45, je pense. Ensuite, je me suis fait un café et j'avais des appels à passer. Je parlais avec Steph. Ça m'a fait du bien de parler avec Steph. Et C'est qui, Steph? Steph, c'est une abonnée, mais C'est maman, elle part. Stéphanie? Ouais, ça s'appelle Stéphanie. C'est celle qui nous a offert ça.
Les bracelets. Moi, je prends pas. Il n'y a que moi, je crois, qui le laisse. J'ai perdu. Mais non, tu l'as pas perdu, il est dans la boîte, je crois. Je peux voir. Ah, je te le donnerai après ou demain, chérie. Mais moi, il est toujours à mon poignet, que je fais la vaisselle, que je l'enlève. Comme je vous dis, je l'enlève vraiment, c'est quand je prends un bain ou une douche, quoi. Donc, juste pour me laver. Mais sinon, pour la vaisselle, pour faire bah, le ménage, pour sortir, pour dormir et tout, je le laisse tout le temps. Je l'aime trop, le bracelet, là. Donc, il est tout le temps à mon poignet. Ouais, les gros, ils sont grosses, mes lèvres. Je suis obligée, en fait, à chaque fois que je m'en vais me laver, je retire mon collier. Bon, mon collier, je dors pas avec, parce que moi, je dors pas avec des colliers. Donc, je retire mon collier et je retire, pour me laver, je retire mon collier, ma montre et le bracelet de Steph. Ta montre, une fois je l'avais vue, ta montre dans le Oui, c'est bac. quand elle est chargée, mais si je vais dans le bain ou dans la douche, je l'enlève. J'enlève le bracelet que Steph, elle m'a offert, j'enlève la montre et j'enlève mon collier. Pourquoi la montre? Ben, parce que je veux pas la mettre à l'eau. Pourquoi elle est électrique? Ben, non. Voilà pourquoi. Mais je l'enlève toujours. Pourquoi tu Parce l'as que quand je fais la vaisselle, je laisse parce que bon, même s'il y a un petit peu d'eau dessus, c'est pas très grave, mais dans le bain et la douche, c'est quand même beaucoup plus d'eau en fait. Donc voilà. Bon, bref, du coup, voilà, j'ai parlé avec Steph. Oh, pardon. Bon, on va arrêter parce que je suis en train de perdre toutes les Et ensuite, perles. on a travaillé pendant. On a travaillé combien de temps, chérie? On a travaillé pendant Beaucoup, beaucoup. une heure et demie. Noémie. On a Purée, fait j'aurais pu jouer à Noémie. 12 pages de calcul. C'était trop cool. On avait beaucoup de calculs dans la tête, hein? C'était cool, 12 mais... pages de calcul avec Mel. Et puis ensuite, elle en avait un peu marre, donc voilà. Elle m'a demandé pour aller prendre un bain, donc bah, elle a été prendre un bain. Il était aux alentours de midi. Bon, c'est pas grave. On avait bien travaillé. Elle était levée tôt aujourd'hui, donc voilà. Donc elle a été prendre son bain tant que je fasse toute ma vaisselle et que je prépare à manger. J'avais débarrassé toute la cuisine. Bah, je vous ai montré de toute façon, c'est vrai, je vous ai filmé. Donc j'avais débarrassé toute la cuisine. Regardez, je vais faire l'escalier. Et j'avais débarrassé toute la cuisine et tout. On avait mangé, j'avais relavé la vaisselle, mais je l'ai pas essuyée. Et en fait, normalement, il y avait foot aujourd'hui de 15h à 16h30. Mais il y a commencé à y avoir vers 13h. Non, ah non, avant ça. Avant que Chouchou soit en pause, donc vers 11h30, je crois. Il tombait des grêles dehors, laissez tomber. Ça claquait sur notre fenêtre et tout, il y avait des grêles. Donc du coup, j'ai reçu un message de l'entraîneur. Bon, ça n'a pas été annulé, mais c'était entraînement en salle de 15h30 à 17h. Donc on a été faire. Et ça fait Donc du coup, Chouchou, bah, en fait, il m'appelle, il me dit, je suis au terrain. Je dis, ben, je croyais que t'allais rentrer à la maison. Je dis, je suis pas encore partie vu que c'est pour 15h30. Donc il y a eu le temps de rentrer à la maison et s'échanger vite fait. On est parti au foot. Mais là, elle est venue avec nous. C'était bien le foot? C'était bien le foot? À l'huile. Est-ce que c'était bien le foot? Un nul. petit peu long. C'était nul. Non, Alexis a bien joué. C'était trop Alexis drôle. a super bien J'étais joué, en hein. train de courir dans tous les sens comme ça. Alors, tu dis c'était nul. Alexis a super bien joué. Mais bon, c'est chiant en salle. Et même l'entraîneur, il a dit, on fera plus de match en salle, parce que, enfin, plus d'entraînement en salle, parce que c'est chiant. Donc après, elle a entendu l'entraîneur râler. Je dis, bah, c'est parce qu'il râle, parce que bah, Bah ouais, parce qu'ils ont mal joué. les garçons et la fille, mais bon, c'est plus après les garçons, à mon avis. Après, j'ai entendu... Moi, Bah, je c'est l'ai pas entendu... qu'ils ont mal joué, c'est qu'ils en font toujours à leur tête, en fait. Donc voilà. Donc l'entraîneur, bah, il râle. Et du coup, après, en fait, il a arrêté à 16h45 parce qu'ils avaient. Ils offraient un goûter, le goûter de Pâques. Et en plus, c'était trop bon, j'en ai mangé deux. Alex, il a été manger un morceau de Maman. gâteau. Et du coup, l'entraîneur, il a appelé Mel, elle ne voulait pas y aller. Parce que nous, on pouvait boire du café et tout aussi, mais on n'en a pas bu. J'étais On attendait Alex. stressée. Et elle voulait pas y aller. Et du coup, il lui dit, bah viens, machin. Et bon, elle a pas voulu de gâteau et à boire, mais il t'a donné quoi? Je vais donner 3 œufs, mais j'ai fini les deux.
voilà, des chocolats, des œufs. Les œufs de Pâques. Du coup, elle avait trop de chocolat, puis elle était contente, elle s'est régalée. Tu vois qu'il est gentil, l'entraîneur. Il s'appelle Anthony. Il est gentil, Anthony. Quand il râle, c'est normal. C'est parce que c'est lui l'entraîneur, donc il est obligé de râler. Obligé, Sinon, il... pourquoi? Moi, je dirais c'est bien, Oui, nanani, bah, il le dit, c'est bien quand, voilà, quand il doit pas râler, mais sinon il est obligé de râler. pourquoi il Bah, râle? t'imagines, il y a des fois tu dis qu'Alexis il râle. Ouais. Et il y a des fois, même qu'on l'engueule, Ouais. il continue à râler. Ouais. Donc t'imagines que là, l'entraîneur, il a au moins 20 enfants du même âge que Alex. Alex, encore lui, il est super sage. Quand il va au foot et tout, on l'entend pas, il est super sage. Ouais, c'est super Mais sage. les autres, ils sont pas forcément tous sages. Donc l'entraîneur, s'il se laisse faire, ben, ils vont se moquer de lui, ils vont faire n'importe quoi. Il est obligé de crier. Pour le faire comprendre des enfants, il est obligé de crier. Bon, moi je les tape. Je rigole, c'était une blague. Il est obligé, hein. Bah, s'ils se moquent de Sauf l'entraîneur, je que les tape. on est revenu du Pas foot, bien. il était quelle heure? Il était Mal au cœur. 17h10, un truc comme ça. Tammy, elle avait lavé la cuisine, parce que j'avais tout débarrassé la cuisine, donc elle a lavé la cuisine. Elle avait débarrassé le toilette. Elle est en train de balayer les autres pièces. Après, quand je suis rentrée, du coup, elle a lavé l'escalier. Le garder sur moi, ça. Et du coup, elle n'a pas fini de laver après, parce que Camille, en fait, elle est un peu comme moi. Elle n'aime pas faire du ménage quand il y a tout le monde, ça l'énerve. Moi, c'est pareil, je préfère être toute seule quand je fais le ménage. Ouais, ben, moi j'aimerais bien aller à l'école, ça. Je vous ai dit que je voulais mettre mon linge en bas. Alors, j'ai commencé à ranger tout le linge à mêle. Il y en a encore beaucoup, donc je dois encore trier. J'ai placé le linge d'Alexis, donc j'ai fait un petit tri. Et lui, ça va, ça prend qu'une étagère, donc ça va. Et au-dessus, normalement, il y a une étagère pour moi. Mais rien que j'ai rangé mes jeans que je vous ai fait voir, ça prend déjà quand même beaucoup de place. Et je viens de trier mon linge et j'ai tout ça là. Vous voyez tout ce qu'il y a sur la table là? C'est tout mon linge que je garde normalement. Et là, le panier, bon, vous voyez pas bien, mais il y a un panier à linge complet que je vais donner. J'ai fait des efforts, vraiment, j'ai fait des efforts. Donc oui, j'en ai encore beaucoup, mais j'ai fait des efforts, un panier complet. Et Camille, elle a pris les trois quarts d'un sac Kaba que j'ai mis à donner, qu'elle a récupéré. Donc, pour une fois, j'ai fait quand même du bon tri. Mais bon, faudrait peut-être que je retrie quand même parce que j'en ai encore trop, trop, trop. Donc voilà ce que je fais. Ça fait plus d'une heure. Ouais, ça fait moins de 2 heures que je suis sur le linge. Du coup, j'ai continué à trier par là les armoires. Donc j'ai réussi à placer les pyjamas. J'ai rangé les papiers du coup Ça marche pas. dans ma chambre. Je fais une Enfin, coiffure pendant que tu parles. j'ai rangé tout, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de bordel. Et il faut à tout prix que je finisse demain. Moi, je vais te coiffer en En plus attendant. de travailler avec Mel et tout. Moi, je vais te coiffer en attendant. Parce que vendredi, il faut que ce soit clairement Je vais te rangé. coiffer en attendant. Donc, ouais. Voilà quoi. Donc, je crois que je vous ai raconté toute Moi, la je te brosser. journée. Je crois que je vous ai raconté toute la journée. Par contre, j'ai pas de neuneu, hein. Pas grave. Mais non, je veux des cheveux tout lisses et sans nœuds. Ouais, mais Là, je vais d'abord. avoir plein de nœuds. Ben là, il faut que tu aies des nœuds pour qu'on les brosse. Ben non, hein. Après, ça fait mal, hein. Donc, ouais, je crois que je vous ai raconté toute la journée. On a fait beaucoup de tri avec Camille. Elle m'a appelé plusieurs fois au foot pour savoir Et moi, j'ai mal? Oui. où elle devait ranger, machin. Mais bon, c'est pas encore fini, mais je fais du tri, je fais du tri. À force de faire du tri, il y en aura moins quand même. C'est déjà un bon point. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, hein, moi, les vêtements, j'ai du mal à les donner. Aussi, j'ai du mal. J'ai du mal à me débarrasser de mes vêtements. Moi aussi. J'en ai encore trop, en Je suis fait. comme ma mère. Ouais, on en a trop, moi et Mel. Donc, faudrait encore qu'on trie. Mais à chaque fois que je trie, je dis, oh ben si, ça oui, ça oui, ça oui. Mais au final, même Mathieu, quand il est descendu, il a vu tout le gros tas dans le canapé. Il me dit, genre, tu mets tout ça. Bon, je dis, la plupart, j'ai déjà mis, même si c'est qu'une fois. Et du coup, il dit, oui, bien sûr, genre, t'as mis tout ça. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon linge, parce qu'ils étaient dans ma chambre, dans le dressing. Et là, je vous dis, j'ai tout, j'ai juste de tout descendre pour trier, Écoutez, pour essayer de ranger en bas. Non,
Et j'ai plusieurs t-shirts. Il y en a un que j'adore. C'est lequel? Mais il y en a un blanc avec des ailes d'ange dans le dos. Non, j'en ai pas, je crois. Il te faut un nœud. Oui. Pour faire quoi? Ben, pour faire ça et mettre un truc ou deux comme ça. Mèche. Ouais, comme un ça. Gros nœud ou un petit nœud? Ça, j'en sais rien. Me dis-moi, comme ça je vais chercher. Un grand nœud. Et du coup, j'étais en train de vous dire quoi, je sais plus. Ouais, j'ai le maillot avec les ailes d'ange et j'ai un autre t-shirt, je sais plus c'est lequel, que j'aime bien. Ah, avec des papillons, il est rose clair. J'en ai beaucoup, moi. Encore. Mais je vous dis, j'ai déjà trié quand même le panier là. Je sais pas si on voit. Le panier là, il est plein. Eh non, laisse là. En plus, j'ai pendu mon linge. Elle me demande un nœud, mais j'ai pendu mon linge devant. Parce que j'ai pas fini. Donc là, pour l'instant, ce que j'avais montré, c'est tout le linge à Mel et Alex. Et moi, normalement, le mien, il vient là. Mais les jeans, ils prennent déjà. Voilà. Tout ça comme place. Donc, il me reste que ça comme place à côté. Pour normalement ranger tout ce que je vous ai montré. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud chaud. Mais bon. Là je leur ai dit par contre. Du fait que je mets le linge là. Ça c'est les personnes qui ont dans les armoires. Hein, donc voilà. Du fait que je mets le linge là. Je leur ai dit bien sûr. Toujours fermer la porte. Parce que les chats ils adorent dormir dans le linge. Hein, donc ils vont aller squatter dans le linge. Voilà. Là c'est deux gros. C'est des nouveaux. Que j'avais eu à Nini, mais on les a jamais mis pour l'instant. Ah ouais, on peut se ressembler. Ouais, il y a un rose et un orange. Ah bah moi j'aime bien. Il faut bien m'enlever mes nœuds parce que regarde, il y a encore des nœuds. Encore? J'ai pas envie de refaire. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on touche à leurs cheveux. Je sais pas si vous aimez bien qu'on touche à vos cheveux ou pas. Moi j'aime bien. Et moi je m'en fous, j'aime trop. Bah, moi, j'aime quand bien Camille elle était plus petite, à chaque fois c'est pareil, elle me disait je peux te coiffer. Ouais, vas-y, j'aime bien. Et là, Mel, quand elle veut me coiffer, bah, j'aime bien. Mais tu me vois là, hein, si tu veux regarder. Tu vois ce que tu fais. Regarde. Comme ça, tu vois la mèche que tu prends ou pas. Ça va, maintenant on va prendre le violet. Parce que maman, à ce que je vois, elle aime bien le violet. Ouais, maman, elle aime bien le violet. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est magnifique le violet. Sérieux? Ouais. Ça peut faire genre de lune, c'est ça? Oui, j'ai attrapé des frissons. Vous avez attrapé des... Et Kimi, bah du coup, vous voyez, elle va dormir sur mon linge, comme d'habitude. C'était qui? J'ai envoyé vos commentaires parce que aujourd'hui on est le. Waouh! Aujourd'hui on est le 12 avril, donc c'est l'anniversaire de mon frère. Et du coup, j'ai envoyé tous vos commentaires à mon frère de la soirée. Vous avez dit bon anniversaire tonton Bastien et tout. Et du coup, il était content et il vous dit merci du coup. Il m'a dit merci à toi aussi et merci bah, à vous du coup, il vous remercie. Voilà, il a 18 ans, mon dernier petit frère, il a 18 ans. C'est ton frère? Bah tonton Bastien, c'est mon frère. Je savais pas moi. Vas-y, c'est mon frère. Je savais même pas moi. Et ça y est, mon dernier petit frère, il a 18 ans. C'est ton petit frère? Bah ouais, c'est mon petit frère. Bah moi je suis la première. Ouais. C'est qui mes frères et sœurs? Tu le sais ou pas? J'en connais juste là. Un seul c'est tonton. Qui est tonton Bastien? Oui, tonton. C'est pas, y a pas que lui comme frère, que j'ai comme frère. Notre frère? Bah oui. Et moi j'ai un deux. Moi j'ai deux frères. Bah moi aussi. Bah ouais, t'as vu? Et j'ai quatre sœurs. Mais moi j'en ai un seul. Ouais. Et c'est qui tes sœurs? Tata Céline. Ouais. Tata Alicia. Je connais déjà Tata Alicia et Tata Céline. Ta marraine. Je ne m'aime pas. Et Tata Manès. Ça, c'est mes sœurs. Et après, mes frères, il y a Tonton Bastien. Et
Ton parrain. Qui est ton parrain? Bah, c'est qui ton parrain? Toto. C'est qui ton parrain, toi? Bah, c'est pas moi. C'est Christophe, le papa à Emma. J'arrive même pas à le faire. C'est ton parrain. J'arrive même pas à le faire, en gros. Bah, c'est mon frère. Ouais. Voilà. Moi, j'arrive même pas à le faire. T'arrives pas à mettre le nœud? Donc, ouais, voilà. Et après, maman, elle a un demi-frère et une demi-sœur. Ça veut dire qu'ils s'appellent comment? Ça veut dire qu'ils ont le même papa que moi, mais on n'a pas la même maman. On n'a pas la même maman? Ouais. Ils s'appellent Mathieu et Julie. Ah, Mathieu et Julie? Ouais. Enchanté. Tu les as déjà vus? Non. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas, on n'a pas vu papy, donc... Pas papy si Sébastien, papy Claudie. Si ça, j'arrive même pas à les mettre. Elle va être perdue, elle. Super. En même temps, mon père, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait 3 ans que Mel, bah, qu'on les a pas vus et que Mel, du coup, elle les a pas vus. Donc, elle a 7 ans, donc elle avait 4 ans. Donc, je pense que c'est normal qu'elle oublie. C'est comme son parrain. Son parrain, elle l'a pas vu depuis plusieurs années aussi. Donc forcément elle oublie hein, à force. Elle connaît, je veux dire, si elle le voit, elle va savoir. Mais là comme ça, elle sait plus trop. Bon voilà, du coup je voulais juste vous terminer le vlog. Alors toi t'arrives à faire ta coiffure mais pas la mienne. Ça ne me met pas encore. Bah si, toi il tenait bien là. Ouais, regarde, t'as vu que... T'as vu qu'il tient bien le tien. Guignolo! Tu t'as quoi? Aïe! Aïe! C'est comme ça, t'as fait des gros nœuds! Touche-moi pas! Touche-moi pas! Regardez ce qu'elle a fait, la guignolo! Tu vas te faire mal! Hein. Aïe! Je vais t'aider! Bon, allez, je vais vous laisser, je vais démêler son nœud là. Du coup, vous, je sais plus du tout, vous allez avoir ce vlog quand? Écoutez, je crois que c'est samedi soir. Si je dis pas de bêtises, donc si c'est ça, je vous souhaite un bon dimanche. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à demain avec la guignolo. Il y a quoi, c'est son deux nœuds dans ses cheveux. Non, non, touche pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous. Bonne nuit, bisous.